Pour trouver votre voie et donner un vrai sens à votre vie, c'est quelque chose qui peut vous prendre beaucoup de temps, qui peut prendre beaucoup aussi d'énergie. Vous pouvez faire beaucoup d'erreurs pour en arriver là, mais au final, c'est quelque chose qui va être très enrichissant pour vous. Donc, la meilleure méthode pour vraiment trouver un sens à sa vie, déjà, je vous encourage à de faire un maximum de lectures, de vous enrichir, de voyager, d'être inspiré. Et plus en fait vous allez avancer dans votre vie, et plus vous allez trouver certains éléments auxquels vous allez vraiment vous connecter. Et pour après donner un sens à votre vie, un vrai sens véritable, vous devez éliminer tout ce que vous jugez qui n'est pas vraiment utile à votre réalisation. En fait, pour vraiment trouver un sens à votre vie, c'est plus une méthode, on va dire, qui va se faire par l'inverse. Vous devez éliminer tout ce qui ne vous correspond pas et vraiment garder tout ce qui vous parle, tout ce qui vous fait vibrer. Parce que dans la vie, vous allez avoir énormément de distractions. Vous allez avoir tellement de choses qui vont vous détourner de vos passions, de vos objectifs, de vos rêves. Qu'après, on peut être un peu perdu, parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez voir, que vous pouvez entendre, et c'est plus par élimination et par concentration extrême de ce qui est vraiment important pour vous que vous allez vraiment pouvoir après vous connecter à vous-même et donner un vrai sens à votre vie. Mais pour cela, bien sûr, ça va vous prendre sûrement beaucoup de temps. Ça va vous prendre beaucoup de lectures. C'est pour ça que je vous encourage à lire un maximum de livres sur le développement personnel, de voyager dans des pays qui vous tentent, parce que vous allez faire des rencontres, vous allez en fait vous enrichir spirituellement, mentalement et physiquement. Et tout ça, ça prend en compte beaucoup d'énergie et c'est un process continu. C'est-à-dire que c'est pas en fait en une fois que vous allez par exemple trouver quelque chose, c'est qu'une fois que vous êtes connecté à quelque chose, vous allez pouvoir vous enrichir et associer de plus en plus de choses avec de nombreuses étapes que vous allez faire et accomplir. Mais un, on va dire, des principaux moyens, c'est vraiment l'élimination. C'est de éliminer en fait tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Déjà, en fait, en éliminant toutes ces choses-là que vous ne voulez plus, en fait, rentrer dans votre vie, vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous jugez essentiel pour vous, sur ce que vous jugez important. Et plus vous allez, en fait, aller dans cette démarche-là, et plus vous allez pouvoir trouver, observer et voir plein de choses avec lesquelles vous allez pouvoir vous connecter vraiment. Et ça va être l'accumulation de toutes ces petites choses, de tous ces petits détails que vous allez voir, que vous allez entendre, que vous allez apprécier, qui vont petit à petit vous faire réaliser plein de choses et commencer à donner un vrai sens à votre vie. Vous allez trouver des choses avec lesquelles vous allez vraiment être connecté, vous allez trouver certaines énergies avec lesquelles vous voulez en fait vibrer. Et vraiment, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment en éliminant tout le reste pour pas perdre de temps, pour pas perdre d'énergie, et plus vous allez vraiment vous connecter avec vous-même et commencez à vous réaliser et trouver un vrai sens à votre vie. C'est pour ça que à partir de maintenant, ne perdez plus de temps. Ne faites pas vraiment, on va dire, ce que vous n'aimez pas ou ce qui passe pour vous. Faites vraiment ce que vous aimez et ce que vous adorez. Parce que vous n'avez pas de temps à perdre avec tout ce que vous n'aimez pas. La vie est vraiment beaucoup trop courte. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous aimez, sur ce que vous adorez, et vous allez en fait vous réaliser de plus en plus et donner un vrai sens à votre vie. Parce que vous allez trouver des passions, des désirs, des choses auxquelles vous avez vraiment envie d'être connecté. Et plus vous allez faire cela, plus vous allez penser à ça, et plus vous allez vous connecter en fait à vous-même, mais aussi au reste de l'environnement, et ça va vous permettre de trouver un vrai sens à votre vie et de vous accomplir.